Dominique Dudan, bonjour. Vous présentez aujourd'hui aussi 1000 immeubles kinétiques. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Oui, kinétique, c'est sans faire de mauvais jeu de mots, c'est l'immeuble cinétique, puisqu'en fait, c'est un immeuble qui donne une impression de mouvement. C'est la spécialité de notre architecte, qui est un architecte d'origine alémanique, qui est le cabinet Sauerbruch-Hutton, et qui est spécialisé dans ces immeubles qui ont des couleurs assez intéressantes et surtout donne une impression de mobilité constante. Donc, kinétique porte bien son nom. Et kinétique se situe où? Alors, kinétique se situe sur le trapèze à Boulogne, sur la zone qui est en développement face à l'île Seguin, et Kinétique est un immeuble qui donne sur le parc. Il développe en mètres carrés, combien de mètres carrés? Alors Kinétique développe à peu près 15 000 mètres carrés. C'est un immeuble qui peut être monolocataire ou qui peut être facilement scindé en deux, puisque tout a été prévu pour pouvoir le scinder en deux sans que ça ne pose aucun problème technique. Quelles seront les certifications, les labels? Écoutez, nous espérons avoir encore mieux, mais nous aurons en tout cas du BREEAM Excellent et nous espérons peut-être avoir un peu mieux. Il sera livré à quel moment? Alors, dans la théorie, c'est fin décembre 2013. Dans la vraie vie, ça sera certainement janvier 2014. Et vous l'avez imaginé pour un utilisateur particulier ou est-ce qu'il y a déjà des utilisateurs qui s'intéressent? Alors, sans vouloir vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, nous avons un certain nombre d'utilisateurs qui sont intéressés et qui tournent autour, mais les temps ne sont pas si simples pour les malheureux investisseurs. Des groupes privés, pas des institutions publiques ou des... Ah non, pour l'instant, nous avons surtout des touches avec des privés. Vous le présentez comme un immeuble cinétique et durable, enfin inscrit dans une démarche cinétique et durable. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu cette thématique? Alors d'abord, nous sommes très très attachés chez Union à tout ce qui est développement durable, puisque nous sommes, peut-être c'est moins connu en France, mais en Allemagne, nous sommes vraiment les spécialistes du développement durable dans la construction. Et c'est un immeuble original, moderne, mais qui ne choque pas, enfin, c'est-à-dire que ça ne provoque pas. Mais c'est un immeuble extrêmement moderne dans sa conception et dans son image. Quels sont les autres projets de ce type, le cas échéant, en France? Alors nous n'avons malheureusement, ou heureusement, pas d'autres projets à louer. Nous avons un autre immeuble qui va être livré dans les prochains mois. C'est le nouveau siège de Coface à Bois-Colombes et un immeuble de GRT Gaz que nous avons acheté à Seyfrissim cet été. Mais sinon, nous avons un hôtel à La Défense qui est en train de pousser, un projet Vinci à La Défense qui sera un hôtel Solmelia, le premier Solmelia de grande taille en France.